Aujourd'hui, on va tester McDo en Espagne, les amis. Je suis trop contente. Par contre, là, je vais vous dire la vérité. Hein. Je suis dégoûtée de pas manger de viande. Il y a des trucs, ça a l'air incroyable. Ça, là. Ça. Oh mon Dieu, sauce salsa buffalo. Et ça a l'air... Mais bon, c'est pas grave. Victoria, ma petite cousine, elle va tester pour nous. Alors moi, j'ai un manteau, sachez qu'il fait 20 degrés. Hein. Il fait super chaud. Donc, même pas besoin de manteau. McDo. On prend à emporter parce qu'on va manger à la maison. Les gens me jugent. Viens, on dit. Vas-y, comment on dit ? Mac menu. Oh, c'est dingue ! C'est de la abeilles rouge. Je vais même pour les messages. Alors, de ce que vous avez de différent en France, vous avez ça. Ouais, en termes de frites, c'est ouf. Il y a un truc, ça s'appelle Menu for You. Ça coûte 5 euros et t'as plein de trucs dedans. Enfin, c'est trop stylé, quoi. Voilà tout ce qu'on a pris. Tout ça. J'en ai eu pour 30 euros. Et en vrai, ça va parce que j'ai pris beaucoup de choses. C'est bon. J'ai pris des potatoes au cheddar. Oh, ça a goût de coca. Mais c'est pas coca, c'est Aristide. Ah ouais. Je sais pas. On a pris plein de trucs avec Victoria. Le point noir, les amis, il n'y a aucun sandwich végétarien. J'ai pris du pain avec de la tomate. Pan con tomate. Déjà la tomate. La tomate est assez... orange quand même. Pour vous donner un petit ordre de prix, le McFlurry il coûte 2,10€ alors qu'en France ça coûte 4€ et quelques, je crois. Une petite huile d'olive comme ça. Victoria, les pilons de poulet sont comment? Très piquant. Très piquant? Il pique? Ça pique. C'est vrai? Oui. T'aimes pas quand ça pique? Ah, moi j'adore. Donc le pain à la tomate, tu veux goûter après, Vic? Ouais. Souvenez-vous, dans ma vidéo de 24h espagnole, on mange ça soit le matin au petit déjeuner, soit à l'almuerzo. L'almuerzo, c'est le casse-croûte. Oh, j'ai mis trop de sel. C'est bon. Je trouve qu'il n'y a pas... Le goût de tomate, il n'est pas là, quoi. Tiens. Potatoes fromage, super bon. Alors? Déjà, le pain, il est dur. Le pain est très dur. C'est normal, mais c'est bizarre. En vrai, c'est... Mais c'est trop salé. T'as mis trop de sel, Myriam. J'ai mis trop de sel. En vrai, c'est bon. Tu me trouves ça, le goût de tomate, toi? En vrai, ouais, mais je préfère quand c'est mamie qui fait. Ah, je savais pas que vous étiez là. Mamie. Ouais, elle est super en forme. Wow. Ah, mes lunettes. C'est moi. Goûte ça pour moi, mamie, s'il te plaît. T'en prends trop de temps. Pan con tomate de McDo. Vas-y. Oh, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, c'est une des vraies espagnoles. C'est bon. Ah ouais, tu trouves? C'est très bon. Mais je trouve que ça n'a pas le goût de tomate, mamie. Un petit peu. Plus de l'huile. C'est bon. Attends, elle va tout manger. Fais-toi plaisir, mamie. Fais-toi plaisir, mange, mamie. Fais-toi plaisir, mamie. Tu l'as fini, mamie, fini. Je te mets ça, tiens. Moi, je vais goûter la sauce salsa. Tout est chauffé du riz. Mmh, elle est super bonne, la sauce. C'est bon, hein? Ça a goût de chips. C'est trop bon. Ça a goût des chips Lay's au poulet. Moi, j'ai pris un sandwich. Vous allez vous moquer de moi. Oh, c'est bon. Mais j'ai pas pris de viande dedans. Normalement, t'as une viande, mais vu qu'il y a... Mamie, tu sais qu'au McDo d'Espagne, tu as aucun sandwich pour les végétariens. Zéro. Ah, je savais pas. Voilà, maintenant tu sais. Prendre un sandwich sans viande. Voilà. Avec un œuf, du cheddar et de la sauce hollandaise. Et par contre, l'œuf, il est beau, je trouve. Oui, il est très bon. Il est beau, hein. T'avais pas demandé un œuf en plus. Ouais. Non, j'ai pas pris finalement. Je trouve excellent. La sauce est excellente. Moi j'aime pas. Bah oui, mais parce qu'il y a pas de viande. J'aurais du beurre. T'aimes pas, mamie? En fait, il y a que du beurre. J'aime. Oh, moi, j'aime du beurre. Ah, on dirait du beurre. Moi j'aime pas. Vic, elle a pris un nouveau sandwich aussi. Celui que j'ai vu et que je vous ai montré là. Ah mince. Tiens. Bah, c'est la sauce salsa chicken avec du cheddar. Ah, oh, c'est pas bon. Ça, c'est meilleur. Tiens, goûte. Le poulet, il est bon.
Mamie, vas-y, goûte. C'est pas mauvais. Elle prend des bouchées, on dirait. Je sais de qui je tiens, je vous le dis. C'est bon, ah, c'est bon. C'est meilleur. C'est meilleur. Ah ouais, toujours. Moi, je préfère les pignons de poulet. Ah bon? Ouais. Il mange que ça, elle. Mamie? Ouais. Au goût de ça, patate avec du cheddar. C'est bon. C'est bon, ça, hein? Oui. Juste ça. Et en fait, tu mets ça avec dedans. Et c'est pour Noël qu'ils ont fait ça. Tu mets ça dedans, ouais. Je mets les fruits. Ah, c'est quoi? Ça va, là? Ça va, là. Moi, j'ai mangé ça. C'est quoi, c'est pas des frites, ça? C'est des chips aux... Mais c'est de l'ail en poudre. De l'ail en poudre? Ah, moi, j'aime bien. Tu sais, ça goûte quoi? Les chips aux oignons. Les chips aux oignons de... Les chips de Pringles. Les Pringles aux oignons. Mmh. Alors, c'est vrai que mon sandwich, la sauce, elle est très grasse. Ah, voilà. Elle a le goût de beurre, c'est vrai. Ah! Oh, mais ça... Ça, c'est pas mal. Ouais, on va ajouter, si en même temps, les Espagnols mangent très gras. Ouais, les Espagnols mangent gras. Elle a bien aimé mon sandwich. Donc ça, c'est nouveau apparemment au McDo d'Espagne, c'est nouveau. C'est des, et ça, c'est des pop. Des pop. Et ça, c'est des petits, ouais, c'est des petits beignets. Ça, c'est au chocolat. Nocciolata. Ça, c'est bon. Un beignet. Un beignet au chocolat. Ça, c'est quoi? Chocolat blanc. Moi, j'aime pas trop le chocolat blanc. T'inquiète, mamie, je te donne après. Ça, c'est pas fou. Tiens, mamie. Écoute, mamie. Faire n'importe quoi. Mmh, c'est bon. C'est la fraise? Non, c'est trop bizarre. J'aime pas. Moi non plus. C'est plus trop, quoi. Attendez, j'ai filmé. L'ice tea, il a le goût du coca. Du coup, c'est pas de l'ice tea. Ah, je savais pas, moi. En tout cas, je trouve que c'est moins bon ici qu'en France. C'est moins bon ici qu'en France, ouais. Non? Peut-être qu'on n'a pas l'habitude, non. C'est vrai que ça a du goût en France, quand même. Mais là, c'est pas très bon, je trouve. Non, j'aime pas. Tu peux goûter? Je sais plus ce que j'ai pris. C'est un truc, c'est Nesquik, je sais pas quoi, là. Les petites boules, ça a goût de plastique. C'est pas très bon, hein. Ah, y'a pas de Nutella ici? Non, y a c'est pas Nutella. Ah, je sais pas, c'est un goût de plastique, t'as raison. Mais y'a pas de Nutella ici? Bah oui, mais j'ai pris leur nouveau truc qu'ils ont sorti, là. Quoi? Oh, c'est un goût Nutella de bas... Mais là, on a pris un truc nouveau pour goûter. Mais y'avait Nutella? Je crois. Non, je sais pas. En première position. Parce que toi, t'as pas pu goûter la viande. Moi, j'ai pas pu goûter la viande, ouais. Du coup, moi, j'ai vraiment pris en première position les pignons de poulet. Piquant. Mais très très bon. Vraiment incroyable. J'ai faim. Le McFlurry, il a le même goût qu'en France, tu trouves? Il y en a pas, j'ai dit pas très bon. Il faudrait peut-être qu'on fasse la fin de la vidéo. I wanna wish you a Merry Christmas. Oui. I wanna wish you a Merry Christmas. Conclusion du McDonald's un jour après. Pour conclure, le McDo, moi, je trouve que c'est cool quand t'es pas végétarienne ou végétarien parce que t'as plein de choix de burgers. Enfin, franchement, je trouve que c'est trop cool. Tu peux venir? Non. Pour les non-végés, t'as plein de choix. Par contre, t'es végé, tu peux rien manger. McDo Espagne, tu peux pas, n'y va pas. Mais bon, voilà, après, c'est un choix. Tu vas pas en Espagne pour manger au McDo, j'ai envie de te dire. Franchement, t'as d'autres choses mieux. Et puis, en termes de prix, c'est moins cher. Alors, moi, j'en ai eu quand même pour 30€, mais parce que j'ai pris plein de trucs, hein. Mais ça reste moins cher. Comme je vous disais, le McFlurry 2€, alors qu'en France, il est à 4€ maintenant. Pff, laisse tomber. Qu'est-ce que t'en as pensé, Vic? Très, très bonne, les pignons de poulet. C'est pas très burger, je crois. Non, je préfère les cheeseburgers. Mais je préfère les pignons de poulet. Les frites, elles étaient pas si bonnes que ça. Moi, j'ai trouvé que les frites qu'on avait mis, ou la sauce là, pas la sauce mais la poudre ail et tout là. Non, mais c'était, je trouve ça, c'est cool de pouvoir avoir un truc comme ça. En fait, tout avait des goûts différents. Les chips, enfin les frites avaient des goûts de Pringles. Ouais. Moi, mon burger était super bon. Je pense si t'avais de la viande, c'était mieux. Après, c'est vrai que c'était vite écœurant. La sauce, elle était très beurrée, ouais. Les potatoes au cheddar. Oh, c'était bon, ça. Ça. Le McFlurry, j'ai pas aimé, mais parce que c'était le chocolat que j'ai pas aimé. Enfin, le lapage. Le pan con tomate. Bah, mamie, elle a aimé, t'as vu. Tata aussi. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, je trouve que ça a manqué de goût, quoi. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était trop marrant. Bon, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien tester les McDo des pays étrangers. Franchement, je trouve ça trop cool de pouvoir se dire, mais non, chaque McDo, c'est différent.
C'est ah, fou quoi. Comment ça se fait? Mais c'est meilleur en Espagne, je tiens à dire. Il y a... oh, t'as vu la viande là? Avec les la viande. Poulets. T'avais quatre. Oh là là. T'as des trucs, laisse tomber quoi. Mais en France, on n'a pas tout ça quoi. Moi, je comprends pas. Et pourquoi on... je trouve qu'on est. Je trouve que nous, les Français, vraiment, on a des choix restreints. De ouf. Mais bon, plus de propositions végé par contre. Crain. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je pense très fort à vous, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien. Enfin, vos familles vont bien. Ah, mais quand cette vidéo elle sera sortie, ce sera les fêtes de Noël, elle sera déjà passée. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes, que vous avez bien kiffé en famille. Moi je vous aime fort, comme d'habitude, toujours positivité, joie de vivre, bonne humeur. Et comme dirait Mimo, gratitude. Je vous aime fort. Bisous. Love you.